acheter le marchandise auprès de Dieu. Or, qu'un être humain n'est pas une marchandise auprès de Dieu. Nous avons de la valeur auprès de Dieu. Nous ne sommes pas des marchandises. La part de Dieu ne sont pas des marchandises, s'il vous plaît. Amen. Vous devez résister devant les pauvres diables. Vous devez résister devant les faux messagers. Amen. Ne pas plus accepter que non, tu es une marchandise. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Bien-aimé, avant de devenir distributeur ou distributrice, tu étais quelque chose. Tu étais une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ta maman attendait quoi? Une bénédiction venant de qui? De Dieu. Amen. Bénis-moi. Quand Sarah a eu Isaac, ils ont dit que Dieu m'a béni. Isaac était une bénédiction auprès de Sarah. Samuel était une bénédiction auprès de sa maman Anne. Jésus était une bénédiction auprès de Marie. Jean était une bénédiction auprès d'Elisabeth. Avant de devenir distributeur, tu étais une bénédiction de ta femme, de ta maman, de ton père. Alléluia. Nous devons savoir. Tu n'étais pas une marchandise de ta maman. Mettons le point sur les i. Je souligne, tu n'étais pas une marchandise pour ta maman. Tu étais une bénédiction de ta maman. Et aujourd'hui, tu es devenue une distributrice, un distributeur. Parce que tu as maintenant reçu. Tu dois maintenant distribuer aux autres. Amen. Alléluia. Amen. À nous, bien-aimés, nous portons une bénédiction. Jusqu'à présent, bien-aimés, Jésus est une banque. Banque à nous. Jésus est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous portons à nous une bénédiction. Nous ne pouvons jamais s'amuser de cela. Nous sommes des distributeurs d'une certaine banque. Hey! Nous portons une banque à nous. Aïe, 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 aïe. Nous ne pouvons jamais avoir de saleté à nous. Amen. Nous allons dégager le pauvre diable. Nous risquons de distribuer le pauvre diable. Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre? Sondons les écritures très bien, bien aimés. T'as pris en charge aujourd'hui par lui, par elle. Tu commences à voir quelque chose et tu es la même personne de l'objet de ce genre-là, mais tu cours derrière la malédiction. Tu dois réparer tes négativités. Alléluia. On était informe et vide. Personne ne pouvait nous voir. Mais aujourd'hui, Dieu nous a ramassés là où on était. Dieu nous a nettoyés. Tu es devenu une personne que tout le monde voit. Waouh! Ce n'est plus Dieu. Alléluia. Si je suis ce que je suis, c'est parce que mon père a beaucoup d'argent. Je dis n'importe quoi. D'où vient l'argent de ton père? Pourquoi tu n'étais pas nettoyé par ton père? Cet homme vraiment est de Dieu. Mais le jour que l'homme de Dieu se présente,
présenta, tout le monde était paniqué. Waouh! Ils ont bien compris que non, Simon Magicien n'était pas de Dieu. Parce qu'ils regardaient que l'extérieur. Ils ne voyaient pas l'intérieur de cet homme, Simon Magicien. Mais ce jour-là, cet homme était dévoilé qu'il était du Satan. Il était du pauvre diable. Le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie. Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé. Il t'a donné de la valeur. Amen. Aïe, 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 aï
Avant de mourir, Jésus te fera comme ça. Tu verras que des visions. Quand tu pars à gauche, il y aura un prophète qui dira, tu dois retourner en Jésus. Quand tu pars comme ça, il y aura un apôtre qui te dira, tu as abandonné Jésus. Quand tu voulais fuir, il te dira, tu ne mourras pas. Retourne-toi en Jésus. Le sang de Jésus pleure. Le sang de Jésus pleure. Parce qu'il a dépensé pour toi. Jésus a dépensé. Il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable. Amen. L'admirable. Amen. L'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent. Alléluia. Amen. Dieu voulait faire tomber l'eau aussi sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de l'arche. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Amen. Jésus est notre arc-en-ciel. Amen. Devant nos problèmes qui nous encablent, Jésus est là. Même si les ténèbres persistent dans ta vie, oh Jésus est l'étoile brillante du matin. Amen. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Amen. Même si rien ne marche dans ta vie, oh le monde te condamne, mais Jésus est là. Le jour que nous toucherons l'Esprit de Dieu, ces jours-là, nos vies changeront. Nos vies changeront. Voilà pourquoi jusqu'à présent, nous touchons de la chair. Aïe. 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 Bien-aimés, touche l'Esprit. Amen. Touchons l'Esprit. Ne touchez pas la chair. La chair était restée sous le tombeau. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Je vais monter. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Par exemple, mon témoignage, touchez ce qu'au Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Glorifions l'éternel Dieu. Il est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. Élevons notre voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Adorons l'éternel Dieu. Adorons l'éternel Dieu. Adorons l'éternel Dieu. Adorons l'éternel Dieu. Déjà chauffé. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44, verset 1er. E2. Nous allons tenir debout, s'il vous plaît, le respect de la parole. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 44, verset 1er à 2. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, rempli de vivres, les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter. Et met l'argent de chacun à l'entrée de son sac.
Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Nous allons préparer Genèse 45, 16 à 28. Nous allons préparer Genèse 45, 16 à 18. Là, nous venons de lire la parole de Dieu. Amen. Dans Genèse chapitre 44. Prions, tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce bon moment que tu nous as accordé, Seigneur. Nous sommes arrivés au moment de ta parole, Seigneur. Nous voulons que toi, seul Jésus-Christ, que tu puisses nous parler. Parce que ta parole est tout pour nous. Nous savons très bien que le pauvre diable n'est pas du tout content, Seigneur de gloire. Mais nous avons l'assurance, tu dis dans ta parole, nous avons l'autorité, le pouvoir d'écraser toutes les manœuvres du pauvre diable. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, je déclare, là où ma main est arrêtée, c'est là que les œuvres du diable sont arrêtées. Seigneur, nous te supplions que ton Esprit Saint puisse demeurer en nous. Que nous soyons instruits, enseignés, que par ton Esprit Saint, Jésus-Christ de Nazareth, tu n'es qu'un simple instrument, tu n'es qu'un rien, Père. Mais tu m'as choisi afin que je puisse parler de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, afin que je puisse parler de ta part. Sois loué, sois béni, sois exalté. Aide-nous afin que nos cœurs puissent être remplis, rassasiés, et que nous puissions aussi mettre en pratique ta parole. Gloire à ton Seigneur Jésus, qui vit au siècle des siècles, éternité en éternité. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon thème de ce matin est intitulé « Je suis un distributeur ». Si tu es fils, fille, je suis une distributrice. Alléluia. Amen. Je suis un distributeur. Je suis une distributrice. Nous venons de lire dans Genèse 44 et nous venons de voir la parole de Dieu, comment cet homme Joseph a ordonné à ce serviteur de remplir le sac de ses frères. Alléluia. Amen. Selon l'histoire, Joseph, fils de Jacob, se retrouva en Égypte par la volonté de Dieu. Mais il était vendu par ses propres frères. Il était vendu par ses propres frères. Voilà, Joseph se retrouva en Égypte. Mais là, par la grâce de Dieu, après avoir quitté la prison, Joseph était nommé comme gouverneur en Égypte. En Égypte, sans Joseph, je ne sais pas si le destin pouvait devenir comment. Parce que le roi Pharaon avait eu un songe. Et ce songe était terrible. Il a fallu que la famine puisse détruire le pays ainsi que les habitants d'Égypte. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, Joseph, animé par l'Esprit de Dieu, par la sagesse de Dieu, a bien expliqué les songes de cet homme, le roi Pharaon. Voilà pourquoi il était nommé en tant que gouverneur. À travers la sagesse divine que cet homme avait, Joseph a réussi de distribuer. Quand je vous parle de la distribution, nous voyons directement une banque. Alléluia. Amen. Une banque. Alors, c'est qui cette banque? Dans une banque, il y a des distributeurs. Alléluia. Amen. Il y a des distributeurs que tout le monde peut aller se servir, prendre son argent qu'il avait caché
Alléluia. Amen. Et dans une banque, vous trouverez, nous nous trouverons des banquiers. Il y a des banquiers, il y a aussi des serviteurs. Mais un banquier ou une banquière, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui est le propriétaire ou la propriétaire de la banque. Alléluia. Amen. Dans une banque, on met à disposition le peuple, distributeur, pour que nous puissions nous servir. Il y a trois points que nous pouvons bien retenir ou de prendre note. Je vais vous parler, je ne sais pas s'il y a du temps, je vais vous parler des fabricants, des importateurs, ainsi que des distributeurs. Alléluia. Quand on nous parle d'abord des distributeurs, parce que mon thème est intitulé « Je suis un distributeur », distributeur, ce mot, nous voyons, il y a deux sens. Premier sens, je vous parlerai du premier sens. Personne qui est chargée de la distribution de quelque chose. Deuxième sens, appareil automatique qui délivre des boissons comme qui délivre des boissons, des gâteaux. Comme je venais de vous dire, dans une banque, nous trouverons des distributeurs, alléluia, amen, qui peut que distribuer de l'argent. Si tu as besoin de ton argent, tu peux aller là-bas pour gagner du temps et puis voilà, tu auras ton argent. Mais je vais vous parler du premier point, premier sens. Une personne qui est chargée de la distribution de quelque chose. Le synonyme de ce mot distribution, distributeur, c'est répartiteur. Alors, dans ce mot distributeur, nous avons au moins trois synonymes. Nous voyons première, billetterie, deuxième, dispensateur, et troisième, répartiteur. Alléluia. Amen. Ça, c'est le synonyme de ce mot distributeur. Mais je vais vous parler de répartiteur. Quand je vous parle d'un distributeur ou d'une distributrice, je vous parle directement de serviteurs de Dieu. Je vous parle directement de responsables. Alléluia. Amen. Ou un papa, une maman, un responsable d'une famille. Alléluia. Amen. Nous, en tant que le ministre de Dieu, nous sommes des distributeurs. Si tu es une femme, tu es une distributrice. Alléluia. Amen. Nous sommes chargés à distribuer quelque chose. Ce que nous distribuons auprès de vous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Amen. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu sont bénis. Alléluia. Amen. C'est dans l'église que nous devons Nous devons recevoir la parole venant de l'Éternel à travers ce serviteur, à travers ce distributeur que nous sommes. Alléluia. Amen. Mais où nous recevons toutes ces richesses-là avant de venir distribuer dans l'église de Dieu auprès des brebis de Dieu? La Bible dit Joseph était
se retrouva en Égypte, quand il a vu ses frères, il a ordonné qu'on puisse remplir le sac de ses frères, de mettre aussi l'argent dans le sac. Même si c'est un piège. Alléluia. Mais nous devons savoir que non, Joseph était un distributeur. Joseph était un distributeur de sa famille, et pas seulement de sa famille, de toutes les nations. Parce que quand il y a eu la famine en Égypte, presque tous les pays qui étaient tout autour de l'Égypte bénéficiaient de la gestion que Joseph a fait. Alléluia. Amen. Tout le monde bénéficiait de la sagesse de Joseph. Quand Joseph récoltait, tous les pays qui étaient tout autour de l'Égypte venaient en Égypte pour acheter la nourriture. Voir même au Canaan, le pays que Dieu a destiné pour son peuple. Joseph a vu ses frères. Il s'est arrivé en Égypte. Joseph a ordonné de remplir leur sac. Alléluia. Amen. Ce n'était pas un Égyptien qui était distributeur dans ce pays-là, Égypte. C'était Joseph qui était distributeur. Alléluia. Amen. Bien aimé, auprès d'un distributeur, tu recevras quelque chose. Si tu n'as pas quelque chose dans ton compte, tu ne peux jamais recevoir. Alléluia. Mais je voulais vous dire que, non, bien-aimés, nous avons une banque qui ne peut jamais être épuisée. Alléluia. Mais à une seule condition, que tu puisses remplir ton compte à toi. Si tu remplis ton compte chaque jour, tu ne manqueras absolument rien. Je voulais t'aider à cette heure-ci. Jésus-Christ est ta banque, bien-aimé. Nous avons une banque et puis nous avons des banquiers. Amen. Il y a des banquiers qui sont là pour travailler. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des banquiers qui tiennent la banque. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre. Dans ce mot banquier, nous avons deux sens. Alléluia. Amen. Mais je vais aller tout doucement. Je ne sais pas si je dois finir ce message. C'est très, très capital. Je vous ai dit le synonyme de ce mot distributeur, c'est répartiteur. Personne qui est chargée de la distribution de quelque chose. Nous sommes là chargés pour distribuer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les brebis de Dieu ne sont pas une marchandise. Attention. Nous ne sommes que des distributeurs. Je vous ai parlé de fabricants, d'importateurs ainsi que de distributeurs. Un importateur ou une importatrice, c'est une personne qui achète pour aller vendre. Alléluia. Amen. Mais pendant que nous ne sommes pas des importateurs, nous ne sommes pas là pour acheter les brebis de Dieu, les œuvres de Dieu, pour aller aussi vendre. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des fabricants. Alléluia. Amen. Nous devons bien comprendre. Nous sommes ni fabricants, ni importateurs. Nous sommes des distributeurs. Nous sommes là pour distribuer. Voilà pourquoi notre appareil que nous sommes, nous devons être propres à tout moment. Que nos appareils que nous sommes, les appareils que nous sommes, nous devons être nettoyés tous les jours. Amen. Pour que nous ne puissions pas produire les saletés. Amen. Alléluia. Amen. Nous distribuons des choses et capitaux. Aux hommes de Dieu, vous trouverez l'eau. Vous trouverez l'argent. Amen. Vous trouverez le mariage. Vous trouverez le bébé. Amen. Vous trouverez l'élévation. Mais ça vient d'où? Nous ne sommes que des distributeurs, ça vient quelque part. Je vais vous donner un exemple de Marie. Ange Gabriel était envoyé. Nous faisons même le travail que les anges Gabriel. Amen. Alléluia. Amen. Il est aussi distributeur. Mais il travaille plus que nous, sans vous mentir. Amen. Il travaille plus que nous. Amen. Ils sont envoyés par-ci, par-là, pour aller
déposer des bénédictions aux distributeurs que nous sommes. Quand Marie est arrivée auprès de... Quand l'ange Gabriel est arrivé auprès de Marie, il a bien parlé avec la dame. Il avait laissé cette bénédiction. Écoute, l'ange Gabriel a apporté une grande bénédiction que moi je ne pouvais pas. Alléluia. Amen. Jusqu'à Marie. Cette dame Marie, elle était une distributrice, apportant une bénédiction en elle. Et Marie a mis à tout le monde, auprès de tout le monde, cette bénédiction. Apporter de tout le monde cette bénédiction. Amen. Marie n'a jamais gardé cette bénédiction pour elle-même. Marie a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais à l'intérieur d'elle, c'était que le Saint-Esprit. C'était que le vent. Amen. L'ange Gabriel amena le vent auprès de Marie. Le Saint-Esprit viendra. Quand cet homme a parlé, cet ange a parlé, Marie a accepté aussitôt. Elle a reçu cela. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons aussi ce couple de Zacharie et Élisabeth. Elles aussi étaient visitées par Dieu à travers un distributeur, Gabriel. Mais le problème est que la bénédiction qu'Élisabeth portait était vide. Appareil vide. Cet appareil manquait quelque chose. Amen. Bien aimé, écoute, je voulais te dire ceci. Tu es une distributrice. Tu es un distributeur. Mais le problème est que tu dois avoir quelque chose en toi. Amen. Afin de distribuer aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir comme ça sans rien. Tu donneras quoi? Tu ne donneras rien. Élisabeth ne pouvait jamais apporter pareil vide. Il a fallu que non, cette femme, Marie, puisse se déplacer jusqu'à ce que sa sœur était. Amen. La Bible dit, juste la salutation de Marie à sa sœur. L'enfant qui était à l'intérieur d'Élisabeth a reçu. Amen. Jean-Baptiste a reçu. Amen. L'appareil était vide. Il a maintenant reçu la bénédiction afin de distribuer au monde. Amen. Voilà quand ils ont apporté Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché. Beaucoup de gens ont été rachetés, sauvés. Amen. À travers sa prédication ou ses prédications. Amen. Alléluia. Il dégageait quelque chose venant de l'Éternel. Écoute, Marie, Élisabeth plutôt, elle n'était pas une distributrice. Amen. Mais elle était juste une porteuse d'un distributeur. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui était distributrice, c'est Marie. Amen. Voilà pourquoi elle se déplaça là où Élisabeth était, afin de distribuer. Amen. Ce qu'elle avait. À l'intérieur d'elle, l'appareil était vide. Alléluia. Amen. Voir même Jésus, alléluia. Amen. Auprès de Jean-Baptiste, a reçu. Oh là là, un Dieu a reçu auprès d'un être humain. Voilà pourquoi je voulais te dire à cette heure-ci, Dieu aussi a besoin de recevoir quelque chose auprès de toi. Amen. Yes. Ce n'est pas que toi de recevoir auprès de Dieu. Dieu a besoin de recevoir quelque chose auprès de toi. Amen. Pour t'élever. Amen. Alléluia. Amen. La gloire, l'honneur, l'adoration, la louange appartiennent à Dieu. Amen. C'est ça que Dieu est en train d'attendre auprès de toi. Amen. Aïe. Je ne sais pas cette heure-ci. Est-ce que tu es un distributeur ou tu es une distributrice? Si tu es un distributeur ou une distributrice, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni de Dieu même. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous fait voir. Nous sommes le œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas des marchandises de Dieu. Mais nous, en tant que des distributeurs de Dieu, nous sommes en train de faire le brebis de Dieu en tant que des marchandises. Pendant que nous sommes des bénis de Dieu, le œuvre de Dieu, mais aujourd'hui, les brebis de Dieu sont devenus des marchandises, des serviteurs de Dieu.
Je sais, pour devenir ministre de Dieu, frère en Christ, sœur en Christ, pasteur, tu dois avoir un projet. Alléluia. Amen. Si tu dis que non, aujourd'hui, je suis devenu ministre de Dieu avec un projet négatif, voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus des marchandises auprès de leur pasteur. Parce que l'homme de Dieu en question, la femme de Dieu en question n'avait pas de projet. Il ne savait pas quoi faire. Il prêche la parole de Dieu. Il s'amuse aussi au brebis de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai suivi un témoin d'un homme de Dieu. Il a dit cela, que les brebis de Dieu sont des choses inutiles, de nos viandes. Oui. Un homme de Dieu a dit comme ça. Il a témoigné. Si tu fuis l'éternel, tu le verras. Il est aussi connu. Il est en train de se confesser. Il a dit que nous, les enfants de Dieu, les brebis, sont des viandes. Quand je vois une serpente, ça c'est la viande, ça. Alléluia. Amen. Donc vous étiez déjà devenus des marchandises des hommes de Dieu. Mmh. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'aide, bien-aimé. Tu n'es pas une marchandise d'un certain serviteur de Dieu. Amen. Tu es béni de Dieu. Nous, nous sommes votre esclave. Mmh. L'appareil peut tomber malade. Amen. Alléluia. Amen. Un distributeur peut tomber malade. Mmh. Alléluia. Amen. Parce que l'appareil reçoit combien de personnes par jour? Tout le monde sont là pour chercher leur argent. Il n'a pas le temps de passer là-bas au guichet. Je vais passer au distributeur pour récupérer mon argent. Par jour, combien de personnes? Je peux tomber malade, mais toi tu es là. Alléluia. Amen. Bien, mais prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas une chose facile. De préparer le message de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Amen. De recevoir la bénédiction venant de Dieu et puis de vous transmettre, ce n'est pas une chose facile. Amen. De jeûner pour vous, ce n'est pas une chose facile. Amen. Je peux tomber malade aujourd'hui, demain. Mm. Je peux perdre ma vie, mais toi, tu seras toujours là. Yes. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire beaucoup d'attention. Si tu es un distributeur ou une distributrice, pour ne pas tomber malade, tu es obligé chaque jour. Tu dois passer au nettoyage. Amen. Celui qui te nettoiera, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas trouver la haine, la colère, le mensonge, les choses du pauvre diable à un distributeur ou à une distributrice. Amen. Tu dois distribuer quoi? Amen. Joseph était vendu par ses propres frères. Tu vois, il a piégé ses frères. Malgré tout, il a dit que non, remplissez leur sac. Mais il les a piégés. Parce que Joseph avait des intentions négatives. Il voulait qu'il reste, lui, c'est avec son frère cadet, Benjamin. Il n'a pas voulu rester avec d'autres gens. Mais les pensées de Joseph n'étaient pas les pensées de Dieu. Amen. Dieu a compris totalement les pensées de Joseph. Je voulais te dire ceci. En tant qu'envoyé de Dieu, en tant qu'un responsable, une responsable quelque part, bien-aimé, attention à toi de garder la colère, la haine. Amen. Tu dois distribuer quoi? Amen. Tu dois défendre la parole de Dieu. Écoute, cet homme Joseph a pu démontrer que non, il était enfant de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45, versets 16 à 28. Je serai vraiment rapide, s'il vous plaît. Genèse chapitre 45, verset 16 à 28. Il est écrit: le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que le frère de Joseph était arrivé, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph: dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire: faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père. Et venez, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tous les pays d'Égypte sera pour vous. Alléluia. Amen. Bien-aimés,
J'arrête d'abord là. Écoutons bien aimé. Un certain pharaon a bien reconnu que notre Joseph était distributeur de sa famille. Alléluia. Amen. Peut-être que Joseph en lui il avait la peur. Mais Pharaon a donné l'idée à Joseph. Comment tu devais faire? Amen. Oui, il était gouverneur. Il avait l'autorité. Mais le roi, c'est ce pharaon qui était roi. C'est lui qui coiffait. Alléluia. Amen. Pharaon a bien compris que non, Joseph était distributeur de sa famille. Si je refuse cela à Joseph, sa famille sera détruite. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des gens qui savent très bien que non, tu es une distributrice. Amen. Tu es un distributeur. Amen. D'une certaine famille. Amen. D'une certaine nation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne regrette pas, bien-aimé. Il faut que tu puisses avoir des combats. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses avoir des combats. Parce que tout le monde sache que non, celui-là, c'est là. Non, est une distributrice. Il est un distributeur de la famille. Amen. Tu seras combattu. Amen. Mais tu dois savoir que, bien aimé, toi, n'abandonne pas ton Dieu à toi. Amen. Dans le livre des Agé, la Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Joseph savait très bien que non, ma banque à moi c'est Dieu. Amen. Moi je suis son distributeur. Amen. Ma famille sera rassasiée. Amen. Tant que je m'attache toujours à mon Dieu. Amen. À ma banque. Amen. Tu ne manqueras absolument rien. Tu n'es pas un fournisseur. Amen. C'est Jésus qui est fournisseur. Amen. C'est Jésus qui est fabricant. Amen. C'est Jésus qui est ta banque à toi. Amen. Aïe, 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 aïe. Tu ne manqueras absolument rien. Amen. Toi, tu verras la gloire de Amen. Dieu. Je te révolte ce matin. Amen. Toi, tu verras la gloire Amen. De Dieu. Si Dieu est pour toi, Amen. Tu seras contre toi. Si Pharaon a bien reconnu que notre Joseph est un distributeur de sa famille, il sera aussi un distributeur de tout le pays. Mm. Moi, Pharaon, je serai comme ça. Amen. Mm. Amen. Voilà, je t'aide bien aimé. Les démons sachent que non, tu n'es pas une simple personne. Amen. Il faut dire que non, Jésus sait que je suis. Amen. Et les démons, nous refusons de les dire. Non, ça ce n'est pas, ça c'est le mot-là, ne convient pas. Non, un distributeur, oh même, je peux accepter même de m'appeler au papa d'aujourd'hui un distributeur. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui donne, Amen. Quelqu'un qui est chargé Amen. De distribuer Amen. Pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux plus être un banquier, non. Je vais travailler si c'est pour qui. Mais je vais être un distributeur. Amen. C'est plus pratique. Amen. Alléluia. Amen. Un bon message. Amen. Alors, bien aimé, attention. Ne devenez pas un fabricant. Tu es distributeur, tu es distributrice. Amen. Ne falsifie pas les choses de Dieu. Amen. Il y a des distributeurs qui envoient des marchandises au marché, qui apportent des marchandises au marché. Ils ont même modifié cela. Le marchandise était à un autre nom. Ils ont qualifié. Ils ont mis, ça c'est le marchandise de Augustin. Mais c'est une autre personne qui a fabriqué cela. Amen. Je voulais te dire ce matin, bien-aimé, tu es une fabrication de Dieu. Amen. Personne ne peut modifier ta vie. Amen. Yes, sir. Tu es une œuvre de Dieu. Amen. Personne ne peut te modifier. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut te modifier. Amen. Personne ne peut tricher. Amen. Yes. En tant que distributeur que je suis, je n'ai pas le droit de mettre un produit sur le marché sous mon propre nom. Amen. Ou ma propre marque. Amen. Ni même
de modifier ses produits. Amen. Les brebis de Dieu resteront les brebis de Dieu. Amen. Les biens de Dieu resteront les biens de Dieu. Amen. Je n'ai pas le droit de modifier. Amen. Ni de mettre à mon propre nom. Eh bien, tu as le cachet de Dieu. Amen. Il y a un cachet de Dieu à toi. Amen. Voilà pourquoi le pauvre Dieu fait par tous les moyens d'enlever ce cachet-là. Mm. Afin de mettre son cachet. Mm. C'est bien lui qui fait que façonner. Mm. C'est bien lui qui fait que modifier. Mm. C'est bien lui qui fait que tricher. Mm. Avec ses disciples dans l'église de Dieu. Des faux distributeurs. Mm. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dommage, nous sommes tous appelés, déclarés comme des fabricants. Mm. Or, que nous avons que c'est le vrai fabricant. Amen. Quand on vous dit fabricant, c'est un créateur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. Un fabricant. Ou une fabricante, mais je vous parle d'un fabricant. Mm. C'est Yeshua Mashiach. Amen. Premier sens, personne qui fabrique ou qui tient une fabrique. Nous prenons l'exemple. Une fabricante de moto ou voiture. Je vous parlais du deuxième exemple. Un fabricant d'Adam. Mm. Et Ève. Un fabricant d'Adam. Je vous parle d'un créateur d'Adam. Mm. Dieu a créé Adam. Adam était un distributeur de Dieu. Mm. Afin de prendre soin de ses brebis, mm. de ses œuvres. Mm. Comment tu découvrais que notre Dieu est fabricant, le seul fabricant? Mais lis dans ta parole, dans ta Bible, Genèse chapitre 1. Amen. À comme ça, par le verset 1 jusqu'à 31. Amen. Alléluia. Amen. Tu découvres que notre Dieu est le seul fabricant. Amen. Mais aujourd'hui, nous verrons des hommes de Dieu sont devenus de Dieu, des fabricants, des créateurs. Nous n'avons pas créé. Amen. Nous sommes incapables de créer quelque Amen. Chose. Amen. Nous sommes des créatures de Dieu, Amen. Des fabrications de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes créés par Dieu. Nous ne sommes que des distributeurs. Amen. Moi, je ne peux jamais devenir un importateur. Mm-hmm. Pour venir acheter et puis d'aller vendre. Alléluia. Amen. C'est le plan du pauvre diable, mm-hmm. devant Dieu. Mm-hmm. Par sa propre volonté, il a préféré de devenir importateur. Mm-hmm. Tu vois ton serviteur Job. Alléluia. Amen. Tu vois ton serviteur Job. Mm-hmm. Livre-le. Mm-hmm. Il voulait maintenant aller vendre, acheter Job auprès de Dieu, d'un vrai fabricateur, et puis d'aller vendre Job. Mm. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont rachetés. Mm. Nous sommes rachetés par Jésus. Amen. Mais Dieu aussi a fait par ses manœuvres d'aller vendre le créature de Dieu. Mm. Où sont les marchés maintenant pauvres d'être en train d'acheter tous ces gens-là? Alléluia. Amen. C'est-à-dire il y a des importateurs tricheurs. Mm. Il y a des magouilles. Il ne négocie pas avec le fabricant. Mm. Ceux qui travaillent au boulangerie, bien-aimés, sont des voleurs. Vous verrez qu'un importateur, une importatrice au marché avec le même produit. Tout. Mm. Alléluia. Amen. Son patron n'est pas au courant de cela. Mais il est au marché, en train de porter ses produits. Il a mis sa marque, son propre nom, sur mes produits à moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a la différence. Vous verrez que non, ça c'est le produit du pauvre diable. Mm. Parce que cet homme a cru, cette femme a cru au pauvre diable. Il a le cachet du pauvre diable. Mm. Après quelques années, il est vendu par le pauvre diable. Un importateur. Alléluia. Amen. Dieu pouvait bien faire des anges comme des importateurs. La Bible nous dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mmh. Au plus rien.
dit dans Genèse, créons l'homme à notre image. Par rapport à Dieu, la Bible dit Dieu créa l'homme. Dieu dit créons l'homme à notre image. Mais Dieu a créé l'homme par sa propre force. Amen. Sa propre sagesse. Amen. Pas avec l'intelligence des anges. Ah, nous avons parlé de Dieu pas clairement. Aïe 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 aïe. Ma kakadiaka. Ma bouidi. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Après avoir Dieu créé toutes ces choses-là, le vrai fabricant, l'éternel Dieu Yahushua Mashiach. Alléluia. La Bible dit, dans Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui répandent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Alléluia. Amen. Qui est maintenant le créateur? Qui est le fabricant entre Dieu et les anges? Alléluia. Amen. Dieu dit, faisons. Quand la Bible dit Dieu dit, c'est-à-dire que Dieu disait s'adresser aux gens. Alléluia. Amen. Dieu dit, Dieu ne pouvait jamais parler avec des animaux. Amen. Dieu ne pouvait jamais entretenir avec les animaux. Dieu n'envoie jamais des animaux pour venir bénir ses enfants. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il parlait avec qui? Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Faisons l'homme à notre image afin de gouverner. Par après Dieu a fait comme ça. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le pouvoir d'aider Dieu. Amen. Faisons l'homme à notre image. Lui-même a fait. Lui-même a créé. Par son image. Il dit, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Mais la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Amen. Je ne sais pas si tu as l'image d'un ange Gabriel. Alléluia. Si tu as l'image de Dieu à toi, magnifique. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se mue sur la terre. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Amen. Bien aimé, je voulais te faire voir que non, c'est le seul Dieu qui est le vrai fabricant. Nous ne sommes pas des fabricants. Nous ne sommes pas des fabricants, s'il vous plaît. Laissons la place de Dieu. Laissons le trône de Dieu. Nous sommes que des distributeurs. Chacun de nous a son rôle à jouer. Dieu a son rôle. Nous aussi, en tant que des distributeurs, nous avons nos rôles à nous. Alléluia. Qui a le pouvoir d'aller auprès de Dieu afin d'acheter le bien de Dieu et puis d'aller le vendre encore? Qui est cet importateur? Qui est cet importateur?
d'acheter les biens de Dieu. Si nous disons que non, le prêtre peut acheter le marchandise auprès de Dieu. Or, qu'un être humain n'est pas une marchandise auprès de Dieu. Nous avons de la valeur auprès de Dieu. Nous ne sommes pas des marchandises. La part de Dieu ne sont pas des marchandises, s'il vous plaît. Amen. Vous devez résister devant les pauvres diables. Vous devez résister devant les faux messagers. Amen. Ne pas plus accepter que non, tu es une marchandise. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Bien-aimé, avant de devenir distributeur ou distributrice, tu étais quelque chose. Tu étais une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ta maman attendait quoi? Une bénédiction venant de qui? De Dieu. Amen. Bénis-moi. Quand Sarah a eu Isaac, ils ont dit que Dieu m'a béni. Isaac était une bénédiction auprès de Sarah. Samuel était une bénédiction auprès de sa maman Anne. Jésus était une bénédiction auprès de Marie. Jean était une bénédiction auprès d'Elisabeth. Avant de devenir distributeur, tu étais une bénédiction de ta femme, de ta maman, de ton père. Alléluia. Nous devons savoir, tu n'étais pas une marchandise de ta maman. Mettons le point sur les i. Je souligne, tu n'étais pas une marchandise pour ta maman. Tu étais une bénédiction de ta maman. Et aujourd'hui, tu es devenue une distributrice, un distributeur. Parce que tu as maintenant reçu. Tu dois maintenant distribuer aux autres. Amen. Alléluia. Amen. À nous, bien-aimés, nous portons une bénédiction. Jusqu'à présent, bien-aimés, Jésus est une banque. Banque à nous. Jésus est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous portons à nous une bénédiction. Nous ne pouvons jamais s'amuser de cela. Nous sommes des distributeurs d'une certaine banque. Hey! Nous portons une banque à nous. Aïe, 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 aïe. Nous ne pouvons jamais avoir de saleté à nous. Amen. Nous allons dégager le pauvre diable. Nous risquons de distribuer le pauvre diable. Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre? Sondons les écritures très bien, bien aimé. Marie portait en elle une bénédiction. Jusqu'à présent, Jésus n'est pas une distributeur. Jésus est représenté comme une bénédiction. Une banque épuisable. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un importateur. Jésus est une... Amen. Oh, oh, oh. Il est une banque. Amen. Oh. Amen. My God. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre? Tu dois distribuer, bien-aimé, l'eau partout, tu dois distribuer, tu dois dégager cela. Alléluia. Amen. Attention, il est temps de changer. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, Pharaonne, change ta vie. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Hé! Hey. Jésus est le seul fabricant. Il est le seul créateur. Oui. Par rapport à ce mot fabricant, nous avons au moins 7 synonymes. Waouh! Waouh! Qui peut être artisan? Ton pasteur que je suis, ton archibishop, ton archibishop, ton prophète, ta prophétesse. Alléluia. Amen. Les synonymes de ces mots fabricants. 1. Artisan. 2. Façonnier. 1. Qui peut te façonner? Si ce n'est pas Jésus. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Toi, réalisateur, oh my God. Amen. Quelqu'un qui réalise quelque chose, car il dit ça accompli. Amen. Amen. Yes, sir. Wow. Amen. On l'aime dans la poranine. Pourquoi tu te là? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu danses? Aïe, 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 aïe. Amen. Oh, ma caca diaka. Amen.
Amen. Quatre. Compassionneur. Amen. Oh my God. Tala. Osa et la maman tu as le besoin de la tête, osa la modernité. Mais devant Jésus, asa y a mon bien. Yes. Amen. Tu étais courbé. Une femme courbée. Un homme courbé. Devant Jésus, confessionnaire. Amen. Mais je sais. Quand un aquarium. Amen. 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 Tu n'avais rien bien aimé. Amen. Auprès d'une banque. Oh, je n'ai rien. On voit ma homme Louba. Quand tu la banque. À cause de ça, waouh. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Mais c'est l'homme, t'es pamba pamba. Amen. Pourquoi tu as toujours peur d'un homme mortel? Amen. Pendant que tu étais déjà passionné. Amen. Artisan était déjà là. Amen. Il a fait tout pour toi. Amen. Dieu a réalisé tout dans ta vie. Amen. Bien aimé, écoute. Moi, je fais mes vidéos moi-même. Amen. Je fais mes clips moi-même. Amen. En bas, j'écris réalisateur. Maintenant dans ta vie, tu es une vidéo de ce monde. En bas, tu trouveras le nom de le réalisateur. Mais c'est qui? C'est ta mère? C'est ton père? C'est Dieu. Amen. Le vrai réalisateur. Amen. De cette vidéo. Amen. Bien, mais écoute. Parce que t'as là, pas une voix. Tu es une vidéo. Amen. On te regarde. Amen. Oh, qui a fait cette vidéo? Amen. Le vrai réalisateur. Amen. Il y a sa machia. Amen. Le nom de cet réalisateur. Amen. Jésus-Christ de la vie. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un menteur. Amen. Et non amateur. Alléluia. Professionnel des professionnels. Amen. Quand tu te mets là, en train de regarder une vidéo que Jésus a réalisée, tu ne peux jamais quitter l'endroit. Mm. Oh, mais ça, c'est magnifique. Mm. Regarde-moi cette image. Mm. Regarde-moi cette fille. Regarde-moi cet homme. Mm. Bien, mais quand moi je passe, mm. tout le monde. Mm. Mm-hmm. Le distributeur passe. Amen. Parce que je suis en train de distribuer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis toujours auprès d'une banque. Amen. La banque est à moi. Amen. Si tu es à côté de moi, l'onction se communique. Tu auras. Amen. Mm. Oh, bien aimé. Mm. Nous sommes des distributeurs qui disent que, qui ne risquent rien. Rien à rien. Amen. Allez, viens. Que toi. Amen. Oui, Goya. Eya. Magua. Magua. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là. Tu es ce que tu es. Amen. Tu es unique à ton genre. Amen. Même si que les gens regardent, mm. ils regardent. Écoute, Dieu peut favoriser d'autres choses. Mm. Dieu peut permettre d'autres choses. Mm. Que le monde voie. Regarde cette vidéo que j'ai créée. Mm. Oh, dans cette vidéo, il y a des choses magnifiques. Il y a deux enfants là-dedans. Mm. Oh, Rebecca a des jumeaux. Rebecca, oh, tu as combien d'enfants? Oh là 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 là, regarde-moi comme etc. Voilà pourquoi les sorciers sont là pour regarder notre vie. Oh, nous sommes des vidéos. Amen. Que tout le monde peut regarder. Amen. Visionner. Amen. Au bar à terre. Et ensuite, on va pour la nuit. Tu es une vidéo réalisée par ton Dieu. Amen. Tu es obligé qu'on puisse te visionner partout. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, son père a dit que non, j'ai réalisé ma vidéo. Amen. Allez, allez, en bas, on ne peut jamais voir Jésus. Amen. Sur la croix. Amen. À Golgotha. Amen. Que tout le monde puisse visionner cette vidéo. Amen. Et Jésus crucifié, vous regardez une vidéo magnifique. Amen. Oh, cette vidéo a dit que non, tout est à... compli. Amen. Yes. Amal a perdu son temps pour rien. Amen. En voulant crucifier Mardoché. Mm. Or que le bois était réservé pour Jésus. Amen. Oh. Écoute, j'étais prévu de prêcher le deuxième volet
de ce thème qu'on avait partagé le vendredi. Leur projet n'a point de fin. Mais, dans la nuit, quand je commençais à revoir la prédication, j'ai tombé là où j'avais parlé le distributeur. Un enfant de Dieu ne peut jamais aller à prêter. C'est à lui de prêter. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a parlé, tu dois continuer ce message. Mais maintenant le thème, je suis un distributeur. Que Dieu soit. Parce que je vous ai promis que nous allons continuer ce thème. Alléluia. Je sais que ce thème, c'était capital. Regardons maintenant. Il y a des choses qui sortent là-bas, mais tu ne savais pas. Amen. Oh, que tu aies une vidéo. Amen. Ta tante te regarde comme ça. Donc, il y a moi, la marine, yo. Yo. Moi, la nusura, okomona. C'est qu'à tout l'inde, okomona. Laissez-les te voir. Amen. Tu es une vidéo portée à tout le monde. Amen. À toi, il y a une banque. Amen. Et tu es une distributrice. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde regardait Joseph. Une vidéo fabriquée, réalisée par Jésus. Par Dieu. Pharaon a voulu minimiser cette vidéo. A voulu minimiser ce distributeur. Un violeur. Il a couché avec la femme de mon serviteur. Il n'a pas de la valeur. Un certain hébreu. On peut te tutoyer aujourd'hui. On peut te négliger aujourd'hui. On peut te surnommer aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Jésus. Amen. Personne ne mettra ni point, ni virgule, ni accent, Amen. Ni entre parenthèses Amen. Dans ta vie. Amen. La phrase continue. Amen. Ta phrase n'a pas de fait. Amen. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand tu tombes, tu dois savoir que non, je n'ai pas de fait. Je dois continuer. Amen. Parce que la Bible dit, j'ai la vie est éternelle. Amen. Comment une personne qui a la vie éternelle, sa vie est sous quoi? Tu te permets de mettre virgule dans ta vie. Entre parenthèses dans ta vie. Je mets là entre parenthèses, puis je ferme. Mais tu es dans la prison. Tu te mets dans la prison, tu te retrouves dans la prison. Quand tu comptes faire quelque chose, tu dois continuer. Enlève ton entre parenthèses. Ne ferme même pas. Pas question de virgule. Ta vie continue. Amen. Ta vie continue bien aimé. Voilà pourquoi j'aime beaucoup faire des vidéos de plus de 60 minutes. Pas question de 30 minutes. Quand tu es en train de regarder toutes les vidéos, tu seras rassasié. Amen. Et tu recevras beaucoup de choses. Amen. Moi, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un distributeur de 30 minutes. Ni de 15 minutes. Mais si tu me donnes 15 minutes, ça sera tout englobé. Amen. Alléluia. Amen. 5 faiseur synonyme de ce mot fabricant faiseur pas faiseur faiseur c'est quelqu'un qui fabrique hein, quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons. Mais je vous dis, je fais. Amen. Je vous dis, il a fait. Amen. Ou il fait. Amen. Alléluia. Amen. Pas question de nous pesons. Amen. Vous pesez. Mais il fait. Amen. Il a fait. Amen. Il continue à faire. Amen. 6. Et constructeur. Amen. Constructeur. Aïe, 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 aïe. Qui peut construire une maison avec des fondations dures? Bien, mais ta vie est comme une voiture. Dans ta vie, il ne faut plus avoir de freins. Amen. Alléluia. Amen. Ne faut plus avoir de freins dans ta vie. Une voiture continue. Pas de freins.
pas dans sur la terre. Jésus est tout pour toi. Amen. C'est lui qui te dirigera. Amen. Tout ceci soit vous trouverez en Jésus. Amen. Tu es une voiture. Le conducteur, c'est lui. Amen. Le constructeur, c'est lui. Amen. C'est lui qui garde tout. Amen. Mais si dans ta vie, tu as le frein, l'accélérateur, l'embrayage, frein à main, que feras-tu maintenant dans ta vie? Mm. Alléluia. Amen. Tu es une voiture fabriquée par Jésus. Tu es une maison, un temple construit par Jésus. Amen. Dieu peut faire en toi une banque. Lui-même, il vient, il siège. On peut l'appeler aussi banquier. Dans le mot banquier, nous avons deux sens. Amen. Il y a un banquier qui tient. Ta vie est entre la main de qui? Alléluia. Amen. Attends. Je vais chercher. Le mot banquier, c'est une personne qui dirige une banque. Or que Christ est notre banque, il ne peut jamais être dirigé. Amen, amen. Aucune personne dirigera Jésus. Amen. Mais dans le deuxième sens, on nous dit, personne qui tient la banque dans certains jeux. Certains, une personne qui tient la banque. Dieu peut perdre dans ton corps à toi une banque. Amen. Lui-même, il tient cette banque. Amen. Comprenons très bien. Amen. C'est-à-dire que non, tu es un distributeur, une distributrice. Ce n'est pas à lui de donner. C'est l'homme qui est à l'intérieur de donner, de faire distribuer les billets. Amen. Tu vois, tu attends qu'on puisse prononcer le mot d'argent. Dans ce distributeur, vous trouverez les mariages, les bébés, l'or, argent, tout, élévation, promotion, tout ce que ton cœur désire, tu le trouveras dans ce distributeur. C'est lui qui le donne, Jésus. Amen. Yes. Jésus tient le distributeur. Amen. Jésus tient entre ses mains le distributeur. Il te fait comme une banque. Amen. Mais c'est lui-même qui dirige. Amen. Alléluia. Amen. L'eau jaillit. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Jésus. Amen. Il est notre banque. Amen. Mais il ne faut plus te lamenter. Amen. Tiens debout. Mets-toi debout. Amen. Relève ta tête. Jésus se souviendra de toi. Amen. Reste-toi une vraie distributrice. Amen. Un vrai distributeur. Amen. Tu auras ta récompense. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas de devenir un portateur. Amen. Attention s'il vous plaît. Je vous en supplie. Tu chercheras par tous les moyens de voler et puis d'aller vendre. Amen. Il y a des hommes de Dieu soi-disant qui sont en train de vendre le brebis de Dieu dans le monde des ténèbres. Amen. Je vous dis vrai, les choses sont vraies. Amen. Il y a des féticheurs aujourd'hui dans l'église de Dieu qui sont devenus de faux distributeurs. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Tu es notre Dieu. Bien-aimé, par rapport à la banque. Ah, je vous citerai moi deux sens. Premier sens, entreprise de commerce de l'argent vient de réception. Vient de réception et avancement des fonds de prêt, la gestion des valeurs boursières. Le synonyme de ce mot, la banque, au premier sens, c'est l'établissement. Mais j'ai pointé beaucoup plus le deuxième. De l'activité économique constituée par ces entreprises. Alléluia. Amen. Secteur de l'activité économique constituée par ces entreprises. Constituée par ces entreprises. Bien, mais
Cette église, si nous disons que non, les brebis de Dieu sont les marchandises des pasteurs, je vous dirai que non, les églises sont les biens de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait l'économie. Il est en train de compter. Il compte ses biens. Amen. Dans cette église, il y a combien de âmes? Nous sommes des biens de Dieu. Amen. Il y a combien de âmes? C'était des activités. Nous faisons notre activité auprès de Jésus. Pas n'importe activité. Mm. Alléluia. Amen. Il est vrai économiste, Jésus. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux me dire là où Joseph a étudié. Mais à travers l'esprit d'un économiste, Jésus. Joseph a relevé la tête après le défi en Égypte. Il a remonté ce pays. Il a remonté l'économie de ce pays. Alléluia. Si tu as la sagesse divine, tu remonteras l'église de Dieu. Alléluia. Dieu recevra de vraies têtes. Parce que tu comptes auprès de vrais économistes. Pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Jésus est notre banque. Je suis un distributeur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 12. Nous allons retourner à Genèse 45. Parce que là, je suis déjà chauffé. Genèse chapitre 12, verset 1 et 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, une personne que Dieu a choisie en tant que distributeur, elle est une source de la bénédiction. Elle est une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Abraham était choisi en tant que source de bénédiction de son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des canaux de vos bénédictions. Ce n'est pas nous qui vous bénissons. Dieu passe qu'à travers nous. Amen. Il envoie les anges Gabriel. Amen. Il vient, il dépose au distributeur. Maintenant, si tu es là, commence-toi maintenant à recevoir. Amen. Tu as besoin de combien? Alléluia. Amen. Essaie un peu de fermer nos yeux, s'il vous plaît. Commence-toi maintenant à voir si tu as besoin de quoi auprès de Dieu. Parce que tu es devant le distributeur. Ferme tes yeux plutôt. Commence-toi maintenant à examiner la chose que tu as besoin. Ce n'est pas du blanc. Commence-toi maintenant à réaliser dans ton cœur. Tu voulais récupérer quoi dans le distributeur? La banque est là. Le fournisseur est là. Le fabricant de monnaie est là. Il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as quel projet? Ne commette pas l'erreur, bien-aimé. Noé était un vrai distributeur. Parmi ces 8-là qui étaient sauvés, une seule personne qui a perdu sa bénédiction, son fils cadet. Tout le monde a bien conservé leur bénédiction. Ils ont reçu leur bénédiction auprès d'un distributeur, leur père Noé. Dieu a tout fourni dans l'arche de Noé. L'arche de Noé était représentée comme une banque. Tout le monde qui était là était sauvé. Ils ont eu la vie. Mais ceux qui ont refusé d'entrer dans l'arche de Noé ont perdu leur vie. Si tu es quelqu'un qui
refuses d'approcher Jésus, tu ne peux jamais avoir la vie. Jésus-Christ est ta banque. C'est Jésus qui te donnera tout. Tu as besoin de l'élévation. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin de bébés. Tu as besoin de devenir, je ne sais pas moi, président de la République. Approche-toi, Jésus. Va entrer dans la banque. Dans la banque, tu trouveras des distributeurs. Il y a aussi des distributeurs négatifs. Des faux distributeurs. Tu dois faire un bon choix. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je t'assure, c'est moi doute. Si tu rates cela, c'est ton problème. C'est moi si. C'est un moi bien-aimé que tu ne peux pas manquer quelque chose. Amen. Tu ne manqueras rien. Amen. Je vous ai dit la fois dernière, le vendredi, à quoi bon de délivrer une personne sans avoir bénéficié de quelque chose? Dieu a béni, a délivré son peuple en Égypte. Ils ont sorti avec beaucoup de richesses. Amen. Ils n'ont pas réussi la richesse, l'or, au Cana. Mais ils ont sorti en Égypte avec leur richesse. Amen. Quand Dieu te délivre, la bénédiction est là. Amen. Dieu a délivré Joseph. Il était parti avec ses bénédictions. Ne traînez pas, bien-aimé. Cet homme est Daniel, un autre distributeur. Daniel a vu que son pays était maudit. Daniel cherchait la part de Dieu dans Daniel chapitre 9. Daniel cherchait la part de Dieu. Il implorait la miséricorde de Dieu. Il demandait Dieu pardon en faveur de son peuple. Un canal de bénédiction pour son peuple. Un vrai distributeur. Tu dois être un vrai distributeur de ta famille. Amen. Joseph de ta famille. Amen. Ne cache rien. Amen. Même si on te fait voir, celle-là est sorcière. Celui-là est sorcier. Ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Ne cache rien. Amen. Bénis-les. Amen. Bénis-les, s'il vous plaît. Amen. C'est comme cela que nos bien-aimés, on t'appellera enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu. Le Dieu que tu n'as jamais vu. Comment dirais-tu que non? J'aime Dieu. Entre temps, tu es en train de haïr ton frère. Amen. Yes, sir. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, 40 à 48. Tu dois aimer ton ennemi. Bénissez-les. Amen. Alléluia. Amen. Fais du bien à tes ennemis. À ceux qui se te maudissent. Amen. Ne garde pas à toi la colère, la haine. Amen. Ni la jalousie. Amen. Tu es une distributrice. Amen. Tu es un distributeur. Amen. Ne produis pas, ne distribue pas les salités. Amen. Alléluia. Amen. Comment les gens diront que non, tu es enfant de Dieu? Tu es un vrai distributeur. Si on trouve la haine et la colère en toi. Amen. J'aime Dieu. J'aime beaucoup mon Dieu. Oh my God, j'aime beaucoup mon Dieu. Mais tu ne veux plus voir dans tes yeux ton frère, ta sœur. Amen. Tu as la haine même de ton père. Mm. Tu t'es séparé avec tes parents. Mm. Parce que tu as suivi une prophétie. Quand tu as fait dire que tes parents sont des sorciers. Mm. Même si la prophétie est vraie. Tu n'as pas le droit. Tu honoreras tes parents. Amen. Tu dois appliquer Exode 20. Amen. Tu honoreras tes parents. Amen. Exode 20 et 12. Mm. Qu'on ne trouve rien du pauvre diable en toi. Amen. Là, tu seras un vrai distributeur. Amen. Une vraie distributrice. Amen. Enfant de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Alléluia. Amen. Tu dois commencer d'abord à aimer ton frère que tu vois dans tes yeux. Amen. Même si il a la colère en toi. Laisse-le. Tes pères devenus ses ennemis, leurs ennemis. Mais toi, ne dis pas non, c'est là. C'est mon ennemi. Mm. Celui-là, c'est mon ennemi. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir des ennemis en lui. Amen. Nous ne pouvons jamais avoir en nous des ennemis. Amen. Laissez-les faire nous leurs ennemis. Amen. Amen. Nous ne pouvons jamais avoir en nous des projets négatifs contre eux. Amen. Laissez-les avoir leurs projets négatifs. Amen. Ça sera inachevé. Amen. Et boche. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il est si merveilleux. Amen.
La parole de Dieu est claire. Cet homme, Abraham, était une bénédiction, canal de bénédiction plutôt, pour son peuple. Une source de bénédiction. Tu peux être une source, mais s'il n'y a pas de fournisseur, la source sera vide. Il faut qu'il y ait le fournisseur. Il faut qu'il y ait un fabricant qui fait jaillir l'eau. Jésus dit à cette femme samaritaine, viens chercher l'eau auprès de moi. Tu n'auras pas besoin d'avoir d'autre l'eau. Amen. Tu n'auras pas le temps de descendre ici là. Amen. Là où tu seras, tu auras toujours l'eau. Amen. La femme a reçu, oh, j'ai vu l'eau. J'ai vu l'eau vive. Alléluia. Amen. Tu perds ton temps pour rien. Bien, mais attention, on a changé notre formule de prière. Amen. On a changé. Écoute, on n'a pas le temps. La Bible dit celui qui est en nous est pour ça que celui qui est dans le monde. Amen. On n'a pas maintenant le temps de combattre le pauvre diable. Il y a un certain esprit. Comment tu sauras combattre le pauvre diable? On a changé de refuser totalement. Là, maman, t'arrêtes, c'est là que les diables se sont arrêtés. Amen. Ah, plus jamais. Amen. Plus jamais. Amen. Plus jamais. Amen. Les choses du pauvre diable. Amen. Dans ma vie. Amen. Ah, plus jamais. Amen. Les projets et ni les sens de fait. Amen. Dans ma vie. Amen. Je suis une vidéo. Amen. Tu dois me regarder clairement. Amen. Tu ne me feras rien. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus grand, Amen. Puissant. C'est lui qui combat à ma place. Amen. Je n'ai pas le temps d'aller combattre le pauvre diable. Amen. Même si que je vois, je te vois clairement. Nako Sekayo. Je vais me manquer de toi. Tu fais tes cantations là. Tu seras maudit, maudit. Tu n'avanceras pas. Amen. Quand je te vois, écoute. Dieu m'a fait voir deux personnes, deux petits, sont en train de faire leur projet contre moi. L'autre devant, l'un derrière. J'étais prudent. J'ai bien habillé, bien aimé. Parce que la banque est à moi. Amen. Je suis un distributeur. Amen. Après avoir prêché ce thème, leur projet n'a point de feu. Dans la nuit, s'est présenté. Il y a une femme. J'ai vu cette femme très bien. Elle a envoyé ce mercenaire. J'aime beaucoup cet homme. Je voulais que cet homme puisse devenir mon mari. Un homme qui est occupé. Alléluia. Amen. De devenir son homme. Ces petits-là sont venus. Eux aussi, ils ont l'air blanc. J'étais bien habillé, je vous dis la vérité. À l'intérieur de moi, Dieu me disait que non, ils ont l'air blanc. Ils voulaient te détruire. L'autre était derrière moi. J'ai dit à la personne, passe devant. Oh non, viens, on va rien faire. Non, passe devant. Quel est votre problème? Oh, cette dame-là nous a envoyé pour te dire que non, elle a besoin de toi. Elle a besoin que vous puissiez vivre ensemble. Ah bon? Va lui dire que non, j'arrive. Je fais comme ça, je vais retourner par là. Alléluia. Ok? Ok. Ah, viens, ne m'a pas. Oui, je vais venir. Ça, c'était mon message. Quand je les ai quittés, Wayenda. Allez ça, retour. Allez ça, retour. Tu voulais faire quoi? Je viens de prêcher leur projet n'a point de paix. Vous venez maintenant de tenter de faire votre projet. Pourquoi tu danses? Alléluia. Amen. Pourquoi tu titilles? Oh là là! Qui es-tu pour avoir peur d'un homme mortel? Amen. Alléluia. Amen. Que me fera un homme mortel? Ah, celui qui est à moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Tu n'as pas le droit. Même si que tu dis que non, j'ai compté son compte de loin. Et là, 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 tu n'arriveras pas. Moi-même, je suis distributeur. Amen. Dès que tu arriveras, bouton bloqué. Tous les boutons seront bloqués. Amen. Tu oublieras même le code. Oh, que tu as volé le code. Pour venir détruire mon compte.
tu ne recevras rien. Amen. Alléluia. Bien-aimé, attention. Tu dois faire quelque chose pour que les gens des ténèbres ne puissent pas voler ton argent. Amen. Pour qu'ils ne puissent pas voler tes biens à toi. Amen. Laisse ton compte puisse être contrôlé par Jésus. Amen. Nous ne sommes que des distributeurs. Amen. Mais la banque, c'est lui. Amen. C'est lui qui tient la banque. Amen. C'est lui qui tient nos comptes. Amen. Ne sois pas comme un enfant prodigue. Donne-moi. Je vais aller. Je suis déjà béni. Tu seras perdante. Alléluia. Amen. Je n'arriverai pas à finir ce message. Je suis arrivé presque à la fin. Nous allons lire rapidement dans Genèse 45, là. Là où j'avais arrêté. Verset 8. Continue. Non, non. 45. 16, hein? J'avais fini déjà le 16 là. Verset 21 maintenant. Le fils d'Israël firent ainsi Joseph leur donna des chars selon l'ordre des pharaons. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. Et 10 ânes chargés de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyé pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Alléluia. Amen. Acclamons l'éternel Dieu pour sa parole. Dieu ne m'a pas. Amen. Je ne vous dirai pas que c'est la réalité, c'est la vérité. Amen. Ce que nous méditons, ce que nous lisons, ce que nous prêchons, c'est la vérité. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme, Joseph, il est aussi capable de faire dans ta vie. Amen. Yes. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Joseph était devenu prophète de sa famille. Amen. Joseph était devenu distributeur de sa famille. Amen. Il y avait la crise économique partout, même en Égypte. Mais Joseph a relevé leur tête. Joseph a relevé le défi. Il a fini avec la crise économique. Alléluia. Amen. Si dans ta famille, il y a des crises économiques, bien-aimé, dispose-toi. Tu finiras avec cette crise. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Prends courage. Ne garde pas à toi la colère ni la haine. Qu'on ne trouve rien à toi les choses du pauvre diable. Amen. Même si que dans ta famille, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Bien-aimé, saisis-toi. Pardonne-le. Amen. Pardonne-le. Amen. Dieu te pardonnera. Amen. Dieu te bénira. Amen. Tu jailliras. L'onction se communique. Amen. Bien-aimé, le mal que nous a fait Jésus, Jésus n'a pas gardé la colère ni la haine en nous. Amen. Mais il était venu. Il a accepté d'être crucifié à cause de nous. Amen. À quoi bon de garder la colère, la haine en nous vis-à-vis de nos frères? Je t'en supplie aujourd'hui, bien-aimé. Pardonne ta maman, pardonne ton père. Fais-le du bien, fais-la du bien, fais-la du bien. Amen. On t'appellera enfant de Dieu. Amen. Là, on va te découvrir que non, tu es une distributrice. Amen. Tu es un distributeur de ta famille. Amen. Joseph n'a pas gardé la colère. Amen. Il a bien suivi le conseil de son du roi Pharaon. Amen. Lui-même, il était béni.
Les bénédictions accompagnaient Joseph, mais il ne voyait pas comment faire. Voilà pourquoi je vais t'aider. Tu as des capacités d'aider beaucoup de gens, mais tu ne vois pas comment faire. La haine te sert, la colère te sert, les choses de ce monde te bloquent. Tu ne vois pas comment faire. Tu ne vois pas comment te débarrasser. Tu ne vois pas comment pardonner. La parole de ce midi te dit libère-le. Amen. Libère-le. Lâche ton cœur libre. Amen. Lâche ton cœur libre. Amen. Pardonne-leur. Amen. Dieu te bénira. Amen. Dieu te fera du bien. Amen. Un gouverneur bien-aimé à l'étranger. Ne dis pas que non, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas beaucoup de diplômes. Que paierai-je? Dieu est Dieu. Amen. Montre-moi l'école de Jésus. Amen. Montre-moi le diplôme de Jésus. Amen. Montre-moi le diplôme de Jean-Baptiste. Amen. De Joseph. Amen. Celui qui a gouverné. Amen. Appel à remonter la tête. Amen. A fini avec la crise économique. Amen. Nous voyons des économistes dans ce monde. Amen. Nous voyons des étudiants, des licenciés, des docteurs de ce monde. Amen. Il y a une crise économique qui englobe toutes les nations. Amen. Ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Alléluia. Amen. Ce qui les manque, la sagesse divine. Amen. Il manque en eux le vrai économiste. C'est lui qui prendra paix avec toutes ces histoires. Alléluia. Amen. À travers l'intelligence que tu as bien aimé, à travers la sagesse divine que tu as, tu sauveras ta famille. Amen. Tu sauveras beaucoup de gens. Amen. Joseph a envoyé. Même si son père avait des doutes, parce qu'il connaissait très bien le cœur de ses enfants, il ne voulait pas croire à ses enfants. Mais quand il a vu le chat, c'est bien mon fils, je vais aller voir le visage de mon fils. Ceux qui t'ont haï, bien-aimé, je ne dis pas que non, Jacob a haï son fils. Ceux qui t'ont haï, que ce soit tes parents, tes frères, tes amis, tes compagnons, ils viendront te voir. Amen. Ils seront nourris qu'à travers toi. Amen. À une seule condition, que tu te libères. Amen. Bien-aimé, un bon message. Mm-hmm. Un bon message. Amen. Un distributeur. Mm-hmm. Une distributrice. Mm-hmm. Mais à la fin, tu dois te libérer. Amen. Pour que tu ne sois pas bloqué. Amen. Si tu bloques, bien-aimé, tu détruis tout le monde. Amen. Si tu bloques, tu détruis tout le monde. Amen. Regardons un peu en grec. Il y a eu des problèmes. Mm-hmm. La population n'arrivait pas, les habitants n'arrivaient pas à soutirer leur argent. Il y a des plafonds 60 euros par semaine. Ils ne pouvaient rien faire. Si tu avais besoin de 1000 euros, tu ne peux rien faire. Si tu as besoin de 50 euros, de 100 euros, tu ne peux rien faire. Tu dois retirer que 60. Les 60 après une semaine. Dans vos banques, bien-aimés, des limites, il y a des fois 450, 500 plafonds. Tu dois attendre une semaine. Mais auprès de Jésus, tout ce que tu as besoin, bien-aimé, si tu as gardé ton argent auprès de Jésus, oh my God, si tu as besoin de prendre ton argent, tout bien-aimé, fils prodigue a récupéré ton argent, son argent. Amen. Il a récupéré tout. Amen. Mais il avait quelle intention? Mais en aimant que bien-aimé, auprès de Jésus, si tu voulais récupérer tout bien-aimé, tu dois avoir des intentions positives. Amen. Des projets positifs. Amen. Pas d'avoir des projets de gens là de tour de Babel. Amen. Je vais atteindre Dieu. Tu seras confondu toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que non, je suis distributeur. Tous ces gens-là me verront. Ma famille me verront maintenant. Ils vont souffrir. Amen. Non, Dieu va te confondre. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu va te confondre. Amen. Dieu t'a élevé. Dieu t'a donné du sou pour soutenir les autres. T'occuper de tes parents. Écoute, je voulais te dire ceci. Tu prends le recul parce qu'on t'a dit que non, ton père est sorcier. Mm. Ta mère est sorcière. Tes frères et sœurs sont des sorciers, des sorcières. Voilà pourquoi tu te recules. Tu es parti te réfugier auprès d'un pasteur, dans la maison de ton pasteur. Pas de problème. Avec ce pasteur qui manque de médicaments, de remèdes, tu préfères de garder un enfant d'autrui. Pendant que toi aussi tu as tes enfants biologiques, tu n'accepteras plus jamais ce que cet enfant a fait auprès de son père. Toi tu n'accepteras plus jamais, mais tu as accepté quand même de garder cet enfant, de prendre fuite, d'aller loin de ses parents. Ses pères, ses parents souffrent, pas de problème, pas de problème. Je te dirai ceci bien-aimé, Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de toi.
tu as peur de passer la nuit avec tes parents, malgré son des sorciers. Mais bien aimé, écoute. Écoute, Dieu n'est pas un fou. Si Dieu se permet de t'envoyer là où, auprès des parents qui sont des sorciers, Dieu sait très bien. Est-ce que Pharaon a bouffé Moïse? Va avec cette réflexion. Pharaon a bouffé Moïse? Moïse, plutôt Pharaon a bouffé Moïse? Pharaon plus sorcier que ton père. Pharaon plus sorcier que ta mère. Pharaon plus sorcier que tes frères et tes sœurs. Mais il n'a pas eu le temps de bouffer Moïse. Moïse est sorti dans cette maison royale, sain et sauf. Amen. Mais il a accueilli beaucoup de choses venant de Dieu. Amen. Bien-aimé, si réellement que Dieu vit à toi, si réellement que la banque vit à toi, pour que tu puisses avoir peur, tu as quelque chose de fourni auprès d'eux. L'eau est là, ce n'est pas que l'argent. L'eau est là, l'argent, l'or, toutes ces histoires sont là. L'onction est là, la délivrance est là. Pourquoi tu les laisses comme ça? Écoute, je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Je pense que Dieu m'a aidé. J'ai tout dit. Je pense. Oui, Seigneur, merci. Dieu m'a aidé. Gloire à toi, Jésus. Je voulais te dire ceci, bien-aimé. Retourne-toi dans ta maison avec cette réflexion. Que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es une vraie distributrice. Amen. Tu es un vrai distributeur. Amen. À toi, il y a une banque. Amen. Qui est Jésus. Amen. À toi, il y a un fabricant. Amen. Un fabricant qui a au moins 7 synonymes. Amen. Alléluia. Amen. Tu es rassasié, tu es béni. Amen. Retourne-toi dans ta maison avec cette connaissance. Bien-aimé, ne crains rien. Amen. Même pas un sorcier. Amen. Même pas une sorcière. Amen. Retourne-toi dans ta maison. Amen. Tu es une vidéo précieuse. Amen. Réalisée par Jésus. Amen. Personne ne les détruira. Amen. C'est sécurisé. Ta vidéo, bien-aimé, que tu es. Pharaon n'a jamais détruit la vidéo de Moïse qui était. Dieu avait un plan, projet merveilleux pour Moïse. C'est pareil que vous et moi. N'aie pas peur. Tu as des ennemis. Tu as des choses négatives en toi. Tu as pris fui de tes parents. Applique-toi, Exode 20, 12. Il y a la bénédiction. Tu deviendras encore davantage distributeur de distributeurs. Alléluia. Amen. Tu produiras. Ne transmis pas les saletés, bien-aimés. Tu as la colère en toi de tes frères, de tes sœurs, de tes oncles. Parce qu'on a dit que non, ce sont des sorciers de ta vie. Bien-aimé, la lumière de Dieu est à toi. Tu vois quelque chose. Tes parents souffrent. Ta famille souffre. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si tu as quelque chose, envoie. Fais un mandat pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi de ton Créateur. Amen. Il t'a fait sortir en Égypte avec beaucoup de richesses. Amen. On était nés tous nus. On n'avait pas des habits. Amen. Mais par l'amour de Dieu, après avoir chassé Adam et Ève, Dieu les a vêtis. Avant que tu puisses devenir grand, Dieu a permis à ta maman sorcière que tu dis, à ton père sorcier que tu dis, à ta grande sœur sorcière que tu dis, à ton grand frère sorcier que tu dis, Dieu a permis à ceux-là de te vêtir. Amen. D'acheter quelque chose pour toi. Amen. Comment tu raisonnes? Aujourd'hui, tu es tenté de voir quelque chose. Tu t'as transporté en Europe. Ils sont devenus des choses primaires auprès de toi. Je t'en supplie. Retourne-toi. Envoie quelque chose, s'il y a moyen d'envoyer. Amen. Alléluia. Amen. Pardonne-leur. Que Dieu aussi puisse te pardonner. Amen. Pardonne-leur. Pour que tu puisses être un puissant distributeur. Amen. Une puissante distributrice. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
femme debout, s'il vous plaît. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. Dieu nous a beaucoup aidés. N'oublions pas, du 26 au 28 août, nous avons un séminaire avec un bon thème. La mort aura honte de moi. Alléluia. Amen. Les choses du pauvre diable auront honte de toi. Amen. Du 26, disons du 26 au 30, au 30 août, 5 jours. Ça va commencer le mercredi jusqu'au dimanche avec un bon thème. Alléluia. Amen. Ne ratez pas. Tu dois finir ce mois avec des bénédictions. Amen. Tu sortiras avec tes lots, avec tes argent, avec toutes les choses que les Égyptiens ont chipées. Alléluia. Amen. Alors nous venons d'écouter la parole de Dieu. Tout juste, je vous demande, toi-même, de dire à ton Dieu, pas d'invoquer Dieu, Dieu est à toi. Dis à ton Dieu, Seigneur, je sais que tu es ma banque. Amen. Je suis ton distributeur. Amen. Je suis ta distributrice. Amen. Je voulais devenir aujourd'hui une source de bénédiction pour les autres. Amen. Je voulais que dans ma vie, je ne manque rien. Amen. Parce que je suis le distributeur de ta banque. Amen. Alléluia. Amen. Dis seulement, prie à ton Dieu, Dieu fera quelque chose dans ta vie bien-aimée. Amen. Ne pense même pas Amen. Que non, j'ai quelque chose en moi, cette chose me bloque. Mais non, la banque elle-même libérera. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es compté parmi les distributeurs, Amen. Les distributrices de Dieu. Amen. Tu dois distribuer quelque chose. Amen. Tu dois jaillir. Amen. Tu dois dégager un bon parfait. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le temps, bien-aimé. Prions l'Éternel, dit Alléluia. Ah! Ah!